Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo donc sur le minage en basse sécurité. Alors j'en avais déjà fait une, mais comme elle était incomplète, voilà, j'avais des petites choses à rajouter, je me suis dit bah je vais la refaire. Donc de temps en temps, voilà, il y aura des vidéos qui vont revenir, bah, quand il y a des mises à jour, quand il y a un peu de changement sur la vidéo, bah, je préfère la refaire plutôt que de mettre du texte un peu partout. Donc là je vais vous refaire la vidéo donc sur le minage en basse sécurité. Et du coup, voilà, comme c'était pas très complet, je vais vous expliquer un peu mieux. Puis bon, par rapport à l'ancienne vidéo, par rapport à ce qu'il y avait dans les commentaires, je vais rectifier quelques petites choses. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est dès que vous allez miner en basse sécurité, vous allez miner dans un endroit à risque. Donc, qui dit endroit à risque, risque de mourir et de perdre son vaisseau. Ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Si vous n'avez pas envie de mourir, si vous voulez gagner votre vie normalement, il y a une vidéo sur le minage classique que j'ai faite pour les alphas. Alors cette vidéo-là aussi, hein, est faite pour les alphas. En étant oméga, ça va se passer différemment. Mais si vous débutez, que vous voulez vous faire un peu plus d'argent et que vous aimez un peu le risque, allez en basse sécurité. Maintenant, si vous n'avez pas envie de tout perdre ou de mourir et de rage quitte le jeu, bah, je vous le déconseille. Si ça vous permet de gagner plus d'argent, c'est que forcément le risque est plus élevé. Mais je vais essayer de vous donner, voilà, des petits conseils pour essayer de vous en sortir. Et puis toujours pareil, si on meurt, on recommence, on part jamais si on n'a pas l'argent dans son portefeuille, si on ne peut pas se refaire. Sinon, bah, en attendant, on retourne en système de haute sécurité, on mine, on se fait un peu d'argent, et voilà. Et là, on peut se permettre de prendre des risques. Alors déjà, avant de prendre des risques, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait une vidéo sur les 5 sites indispensables, et j'avais présenté 5 sites indispensables pour Eve. Et dans ces 5 sites, il y a 3 sites qu'on va réutiliser aujourd'hui. Alors je vais remettre le lien dans la description, avec le lien aussi, si vous voulez, si vous n'avez pas eu vos points de compétences gratuits, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour récupérer 1 million de points de compétences gratuits. Et je vais mettre aussi ces 3 sites-là qui vont être indispensables pour miner et surtout miner en sécurité, enfin, en tout cas le plus possible. Après, ce que je vous dis là, c'est vous n'êtes pas assuré de ne pas mourir, ça va juste minimiser les risques. Déjà, si déjà on va déjà regarder ce qu'on va miner. Alors, un item, alors après, dans le secteur où vous êtes, il n'y aura pas forcément cet item, faudra surtout voir un petit peu avant. Moi, je sais que j'aime bien aller dans la région The Citadel, c'est une région où en général. Les prix de, comment dire, du minerai, je les trouve quand même supérieurs à d'autres régions, en tout cas les offres régionales. Après, dans les stations spécifiques, il y a certainement des endroits où on peut le revendre plus cher, mais en régional, en général, j'ai remarqué que là-bas c'était pas mal. Et donc, vous voyez que par exemple, donc là j'ai la région Citadelle, je me trouve actuellement ici à Wedama, donc là, si je clique dessus, c'est une région donc de sécurité haute. Donc il n'y a que du plagiocase, pyroxère, scordite, velspar miné sur les minerais de base qui ne se vendent pas très cher. Alors, si j'avais envie d'être safe et de m'assurer de pouvoir revendre ça, il n'y a pas de souci, je ferais ça. Mais là, le but, c'est de prendre un peu de risque et de se faire un peu plus d'argent. Pour ce faire, on va aller dans les systèmes de basse sécurité, voir ce qu'il y a. On va aller dans un système à côté. Donc là, juste à côté, il y a Cubinen. Et là, on peut voir que donc il y a toujours nos 4 minerais standards et il y a du kernite. Le kernite qu'on va pouvoir revendre beaucoup plus cher. Et on va vérifier ça donc en allant sur Eve Marketer. On va aller donc dans fabrication recherche, matériaux, matières premières. C'est du minerai standard. C'est du minerai standard, mais qui, vous allez voir, rapporte beaucoup plus. Et on va prendre le kernite de base. Je crois que c'est celui qui se. On peut l'acheter le plus cher. Ah oui, donc là on était en toutes les régions. On va se mettre uniquement The Citadel. Le but, c'est de ne pas faire trop de sauts pour revendre notre minerai. C'est quand même plus. Bon, après, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à le faire. Mais bon, là le but, c'est d'aller assez vite. Pas perdre de temps. Voilà, il y a d'autres techniques un peu plus compliquées. Moi, j'ai vraiment envie de faire au plus simple. Donc on va aller au plus près et de faire au plus simple pour pouvoir se faire de l'argent. Même s'il y a possibilité de se faire bien plus d'argent, notamment en retraitant le minerai, mais bon, là ça s'adresse plus au clone Oméga. Là, je fais cette vidéo surtout pour les alphas, ceux qui veulent commencer. Et donc là, on voit que le kernite, en achat, on peut nous le racheter quand même. Alors, le but, toujours pareil, c'est d'aller vite. On pourrait toujours le proposer à la vente, mais bon, avant que ça parte, ça peut être très long. Donc là, on voit que par exemple, à Atomo, on nous le rachète 851 si on y aura Camio. Bon, bah, ça tombe bien parce que vous voyez, juste à côté de là où on est, donc il y a Cubinen, donc ici, c'est ici qu'on va pouvoir prendre le kernite, c'est uniquement dans les systèmes de basse sécurité. Et on peut le vendre donc une partie à Atamo, mais on a vu que bon, il n'y avait pas trop de. On peut pas nous le racheter
Le stock va être vite épuisé. Sinon, c'est camion, donc vous voyez, c'est pas très loin. Donc c'est toujours intéressant. Alors là, il y a plusieurs techniques. Soit vous minez, vous allez le déposer en station et vous revenez faire vos allers-retours plus tard. Ou alors vous allez tout de suite le revendre. Ce qu'il faut faire, il faut faire très attention parce que les portes, des fois, peuvent être prises et vous risquez de mourir, quelqu'un qui vous attend, qui scanne votre soute, ou par quelqu'un qui dépose des bombes et mourir instantanément. Donc là, on est à Uedama. Voilà, je vais aller sur ce site. Alors, je mettrai les liens dans la description. Et on veut aller à Kubinen. Voilà. On a bien les systèmes. On va checker. Donc là, on voit que les portes sont libres. Et après, je vais faire autre chose. Du coup, si on se déplace, on a dit si on se déplace à Tomo, je vais essayer de checker les deux. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de souci. Alors, c'est valable pour l'instant. Là, vous voyez, je suis de l'autre côté. Donc, je vais revenir au jeu. Donc là, vous voyez, je suis vraiment de l'autre côté du système. Donc là, on voit ici, hein, je suis à Uedama. Donc là, on voit que c'est safe. Donc on peut penser que ça va bien se passer. Même si, bon, bah, là, dans 15 secondes, là, sur les 15 secondes qui viennent, ça peut changer. Mais bon, on va croiser les doigts. Je vais me déplacer à Kubinen. Encore une fois, ne partez pas si vous n'avez pas la possibilité de vous refaire. Le but, c'est pas de tout perdre et de se retrouver à zéro. Il faut toujours avoir un petit quelque chose de côté pour repartir, soit retenter si on a un peu d'argent de côté, ou se refaire en haute sécurité. Donc je vais passer la porte en espérant que ça passe, mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez. On sait jamais vraiment quoi, c'est toujours risqué. Si on veut ne pas mourir, ben on ne va pas dans des systèmes risqués, c'est la base. Mais voilà, là je m'adresse aux ceux qui commencent et qui veulent un peu voilà, prendre un peu de risques et avoir la possibilité de se faire plus d'argent. Donc, là, on est de l'autre côté, on voit que, bah, vous voyez, il n'y a personne, donc là, c'est nickel, c'est bien pour nous. Et on va aller tout de suite dans un système, donc dans une ceinture d'astéroïdes, voir un peu ce qui se passe, voir s'il y a du carnet à miner. Et donc là, on ne va pas s'embêter avec les drones à essayer de détruire les IA. Dès qu'on voit un joueur, une IA, on s'en va, on ne cherche vraiment pas à comprendre. Du coup, alors, l'idéal, c'est de choisir un système où il y a beaucoup de ceintures d'astéroïdes. Parce que s'il y a beaucoup de ceintures d'astéroïdes, ça veut dire que la personne qui va venir un peu checker, faire toutes les ceintures pour essayer de trouver des joueurs à détruire, va en faire beaucoup plus. S'il y a beaucoup de ceintures, il va devoir en faire beaucoup plus. Bon, ça va être plus long pour vous trouver ou ça va peut-être le démotiver. S'il n'y en a pas beaucoup, il risque de venir assez vite. Donc là, on voit qu'il y a deux IA qui traînent un peu dans la zone, donc bah, c'est pas grave. On va tout simplement en essayer une autre, c'est pas grave. Jusqu'à temps de trouver un endroit où il n'y a pas de joueurs et pas d'IA pour être tranquille, pouvoir miner le plus longtemps possible en espérant qu'on arrive à remplir notre soute. Et le but, ça va être ça. Alors, du coup, ça va demander beaucoup plus d'attention. Va falloir être vraiment très attentif. Le but, c'est pas de regarder autour de vous. Hein. C'est vraiment regarder ici le radar, voir si voilà, il y a quelqu'un ou pas. Donc là, on voit il y a quelqu'un. Et ben, c'est pas grave. On s'en va. On en essaye encore une autre. C'est pas très grave. Par contre, oui, j'ai pas fait gaffe où je cliquais parce que le but c'est pas de faire toujours les mêmes. Mais voilà, et dès qu'on trouve une ceinture où on est tout seul, eh ben on va essayer de miner le plus possible. Alors là ici, apparemment, il n'y a personne. Par contre, malheureusement pour nous, il n'y a plus de kernite. Parce que vous voyez, il y a de la kernite lumineuse, mais elle rapporte beaucoup moins. Donc nous, on cherche vraiment de la kernite. Donc là, on voit qu'il n'y a plus rien, donc c'est pas grave. Propulseur de warp On va sur une autre activé. ceinture d'astéroïdes. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez miner, vous allez vraiment vous concentrer sur le radar. C'est-à-dire que vous allez cliquer sur. Moi, je vais partir du principe que je vais un peu stocker en station le minerai avant de le revendre. Et bien, tout simplement, je vais rester cliquer sur la station et prêt à partir. Donc là, on voit qu'il y a encore des IA. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de ceintures d'astéroïdes, donc c'est un peu problématique parce que ben on a vite fait le Propulseur de tour. warp Mais activé. en même temps, si on arrive à trouver du carnet ici, ce serait nickel. Alors il y en a là, mais le problème c'est que si j'y vais, bon bah ben, les IA vont me repérer, vont tout de suite venir. Et de toute façon, je crois, j'ai pas testé, mais qu'avec le Venture là je peux mettre que deux drones. Je pense que on fait pas le poids par rapport aux IA. Parce qu'en fait, au plus vous descendez de système de sécurité, donc dans les systèmes de sécurité 1 et 0,9, je crois, il y a. Vous pouvez pas tomber sur des rats de ceinture, on appelle ça, hein, les IA qui se trouvent dans les ceintures. Et je crois qu'après, à partir de 0,8, vous en trouvez, mais ils sont très faciles à tuer. Et au plus le chiffre diminue, le statut de sécurité diminue, au plus
ça devient compliqué. Donc là, pareil, Kernit, mais IA, donc ça ne nous intéresse pas trop. Le problème, c'est que j'ai pas fait gaffe, vu que je parlais en même temps, si je me suis retrouvé avec un. Propulseur de warp Si je fais des. activé. Si je tourne en rond, si j'ai déjà fait les ceintures de ceintures de. Des ceintures d'astéroïdes que j'avais déjà faites. Mais c'est pas grave. Bon, ouais, il faut être patient. Alors, après, je vous dis, si vous êtes dans un système donc de haute sécurité, ça va être plus. Comment dire, plus long de se faire de l'argent, mais vous allez être safe. Et c'est très facile. Vous prenez le premier qui arrive, vous minez, et puis vous revendez tout ça. Là, ça va être. Faudra vous déplacer un peu plus loin. Ça va être un peu plus long. Donc voilà, c'est un calcul à faire. C'est à vous de voir. Moi, je sais que j'aime bien le risque. J'aime bien quand c'est risqué. Et puis, c'est plus marrant. Après, oui, on se fait moins d'argent. Mais bon, le but, c'est aussi de s'amuser. Donc là, on voit que j'ai du kernite. Alors, je sais pas si je vais en avoir beaucoup. Mais bon, en tout cas, je vais m'approcher. Quoi, je vais plutôt m'approcher là-bas. Il y en a peut-être deux. Espérant qu'ils sont. Ouais, ils ont l'air d'être. On pourra miner. Là, l'idée, c'est de prendre un laser par minerai. Comme ça, on évite d'utiliser. Enfin, l'astéroïde va se détruire moins vite. Comme ça, on va pouvoir tenir plus longtemps sur les astéroïdes. Donc, alors je crois qu'il faut être à moins de 10 km. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas miné sur le Venture. Je crois qu'avec ces lasers-là, faut être à porte optimale, ouais, 10 km. Donc, on va devoir être à moins de 10 km. Donc là, on est bon. On va essayer de s'approcher de l'autre, se mettre entre les deux. Voilà. Donc là, on est pas trop mal. Au pire, j'aurais même accès à d'autres carnets si jamais elles sont vite épuisées. Donc là on va s'arrêter. Et ce qui se passe c'est que c'est vraiment ici hein, vos yeux. Donc on va tout de suite sélectionner. Donc je vais hop cibler celui-là. Je vais cibler celui-là. Et donc là on va tout de suite commencer à miner. Voilà, je mets le deuxième laser sur le deuxième astéroïde. Et là on va surveiller cette zone. Alors je vous conseille de quitter l'extraction minière pour avoir une vue, parce que vous voyez là jusqu'à 24 km, on voit plus ce qui se passe après. Je vous conseille d'aller sur général, vous allez voir les cibles arriver, et au moins vous allez pouvoir voilà, l'avoir arrivé de bien plus loin. Et on va se bon, je choisis n'importe quelle station, hein, en vrai ça, peu importe, je choisir la première, la plus proche, et je vais mettre tout mon minerai donc à cette station, pour pouvoir après tranquillement pouvoir aller le vendre. Alors soit vous prenez un cargo, ou vous le faites avec ce vaisseau comme vous voulez. Pour aller revendre votre minerai, toujours en allant bien vérifier la station. La station, tout, pardon, pas la station, vérifier la gate, donc sur le site que je vous mets en description, pour bien regarder si au moment où vous allez traverser les portes, elles sont libres. Là, on reste dans les ceintures, donc il n'y a plus trop besoin de s'occuper des portes, on va rester vraiment dans le système. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de rester. Donc là, vous voyez, je clique sur la station, je me mets prêt à cliquer sur amarrer pour m'enfuir si jamais il y a un souci. Donc voilà. Et donc là, l'idée, c'est pas comme le minage en sécurité, on peut se permettre d'être moins attentif. Là, c'est vraiment, on se prépare à cliquer. Et dès qu'on voit un joueur arriver, on cherche pas à comprendre où il y a, on s'en va, et puis bon, bah, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Donc je vous dis, beaucoup de risques, ça peut rapporter beaucoup plus, mais c'est très risqué. Donc voilà. Donc faut pas vous dire si vraiment vous mourrez là en basse sécurité, vous dire, ah, mais ce jeu, c'est de la merde. Non, non. C'est juste, vous avez pris un risque, ben, le risque n'a pas payé, vous êtes peut-être dans une période où il y a du monde, où voilà, moi ça m'arrive des fois d'être dans une session de minage en basse sécurité, où pendant 1 heure, j'ai personne. Je fais mes allers-retours, j'ai personne. Et tout d'un coup, j'ai un joueur qui vient, j'ai essayé de retourner 5 minutes après, il fait toujours le tour de la zone, et ça peut durer des heures et des heures, voire toute la journée. Donc ça dépend, voilà, comment vous tombez, etc. Donc voilà, c'est à vous de faire le pour et le contre. Mais voilà, j'avais vu dans des commentaires que bah, le jeu était pas top, on se faisait souvent tuer, etc. Bah oui, c'est le principe de la vie, il y a du PVP partout, même en haute sécurité, vous pouvez mourir. Alors les conséquences seront plus graves pour celui qui va vous tuer, hein, il risque de perdre son vaisseau. Mais s'il vous tue, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire qu'il va peut-être perdre un vaisseau, mais il va se rattraper avec ce qu'il y a dans vos soutes. S'il prend le risque, c'est qu'il y a certainement 3, 4, 5, 10 fois plus de valeur dans vos soutes que son vaisseau. Donc lui ou son pote peut venir plus tard récupérer votre épave. Donc c'est pour ça que le risque est présent partout. J'ai essayé de vous montrer un peu voilà, des petites astuces, notamment à ESSEC, comment quitter une station très rapidement. En mettant un point droit devant la sortie de la station, ou voilà, en jouant avec le camouflage, il y a un petit trick là
C'est sur la vidéo, donc avec le camouflage. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, EVE Online, c'est un, voilà, c'est risqué. Faut aimer le risque. Si, je veux dire, des MMORPG où il n'y a aucun risque, où le PVP n'existe pas, il y en a plein. Mais je trouve que, voilà, au début, c'est sympa. On se dit, voilà, on fait les choses, c'est cool. Au moins, on est sûr de rien perdre. Mais on se rend compte que sur le long terme, on s'ennuie. Alors, le but, c'est pas de jouer un jeu où on est sûr de tout perdre, etc. Hein. Comme j'ai dit, il y a plein de moyens de pas perdre de stuff. Et en général, même quand on se fait tuer, si on a fait attention, on n'a pas pris trop de risques, on va forcément perdre. On va pas perdre grand-chose. Donc, du coup, voilà, c'est toujours bien faire attention. Risque qu'on prend, c'est-à-dire que même en haute sécurité, si vous dans votre soute, il y en a pour plusieurs milliards, vous avez de fortes chances de mourir, même en haute sécurité. Donc voilà, faut toujours voilà, prendre le moins de risque possible, et vous allez voir qu'en général, avec les petites astuces que j'ai données, si on voilà, on fait attention, on check les portes, donc c'est voilà, ça demande un petit effort, hein. Faut aller sur les sites, regarder si voilà où sont les items les moins chers, les plus chers. Surveiller les portes, si y a personne de l'autre côté de la porte, etc. Mais bon, on a des outils pour vérifier tout ça, donc il y a des outils pour vraiment rester assez safe. Et je vous dis, moi, ça fait là, la dernière fois que je suis mort, c'était il y a peut-être, je sais pas, 6 mois, et encore, c'est de ma faute parce que j'avais franchi une porte où j'avais pas vérifié s'il y avait quelqu'un à côté, s'il y avait quelqu'un derrière. Alors, ça m'est arrivé une fois de regarder s'il y avait personne de l'autre côté de la porte, et j'ai regardé 30 secondes après, je franchis la porte, et puis comme par hasard, bah, voilà, il y a quelqu'un qui s'est installé là, peut-être je sais pas, 20 secondes après que j'arrive, et donc je suis mort. Donc c'est pas non plus garanti, mais je vous dis, en général, si on fait attention, et puis je vous dis, vous voyez bien qu'il y a des milliers de joueurs sur le jeu, vous doutez bien que si on perd tout, on fait enfin tout ce que vous faites dans le jeu, si c'est pour tout perdre, il y aurait personne sur le jeu. Si on le fait, c'est qu'il y a quand même moyen de se faire de l'argent. Voilà, donc heureusement. Mais voilà, il y a aussi un risque de mort et ça fait partie du jeu. Je pense que quand on joue à Eve, faut pas se dire, voilà, je vais essayer d'être le plus riche. Je vais essayer. Non, il y a vraiment beaucoup de risques de perdre. On a tous perdu un vaisseau, on a tous perdu de l'argent dans le jeu. Mais heureusement, voilà, il y a des moyens de s'en faire et il faut surtout jouer comment dire, pour s'amuser quoi. Et puis c'est surtout, je prends un exemple, mais bon là, c'est vrai que je débute dans le jeu, j'ai plus pas tant d'heures que ça dans le jeu. Mais si un jour, Cet je veux dire, je me astéroïde fais n'a que des tuer, réserves. bah, rien ne m'empêche d'aller prendre un vaisseau, d'aller me venger. Et voilà, c'est aussi ça, F. C'est voilà, vous vous êtes fait tuer, bah, vous essayez de retrouver le gars, vous essayez de retourner dans sa zone. Vous stuffez bien et vous essayez de vous venger et de vous tuer, ça peut être aussi sympathique quoi. Donc alors après le PVP, voilà, vous n'allez pas le faire tout de suite, c'est vrai que même moi, là pour l'instant, je m'y risque pas. Mais voilà. Si je fais ces vidéos, c'est surtout parce qu'en fait, j'ai remarqué, il n'y a pas trop de vidéos en français. Ah, je suis pas du tout un spécialiste des online, hein. Il y a certainement d'autres. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos anglophones. Et je voyais pas trop de contenu français, donc du coup, je me suis dit, bon. Je vais essayer de le faire pour les nouveaux. Alors là, vous voyez, hop, j'ai vu des IA qui arrivent. Bon, bah, c'est pas grave, hop, je m'en vais. Et puis voilà, si c'était des Pulseur joueurs, de c'est pareil. warp Hein. Faut vraiment activé. être au taquet, voir venir. Et on s'en va. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment rien fait là. Et je vous dis, il y a des fois, j'ai réussi à miner des soutes entières. Et j'ai pu faire comme ça une dizaine d'allers-retours à la station sans souci. Donc Demande de voilà, démarrage ça envoyée. dépend vraiment des jours. Bon Demande là de j'ai vu aujourd'hui démarrage des gens me baladant acceptée. dans les ceintures qu'il y avait quand même pas mal de monde et que enfin beaucoup d'IA en tout cas, donc c'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur coin. J'aurais peut-être dû essayer le système à côté. Là j'ai vu qu'il y avait un système à côté, mais voilà. Mais après c'est voilà à vous d'après d'essayer voilà de trouver le bon système, le bon voilà le meilleur endroit pour vous, l'endroit où vous allez voir, vous allez regarder, l'endroit où vous êtes le plus tranquille, où les prix sont le plus haut, voilà, ça va être vraiment à vous de regarder tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de vous montrer les choses pour minimiser votre perte, éviter de mourir le plus possible. Donc pour résumer, c'est être constamment les yeux
sur le radar. Dès que vous voyez une IA, un joueur arriver, vous ne cherchez pas à comprendre, vous partez instantanément. Donc hors de question d'être AFK dans les systèmes de basse sécurité, ce qui est normal, vous prenez un risque, donc être au taquet. Et puis j'ai envie de dire, ça marche même pour les systèmes de haute sécurité. Et bien regarder, bah voilà, où est-ce qu'on peut vous racheter le minerai le plus cher. Où est-ce que vous allez avoir comment dire, la zone où il y a le plus de ceintures d'astéroïdes, des zones où il y a 20-25 ceintures d'astéroïdes, c'est quand même mieux. C'est vraiment à choisir, à préférer. Et aussi bah, des zones où il y a moins de trafic. Oui, là je suis dans une zone quand même, il y a quand même beaucoup de trafic, enfin, en tout cas les zones à côté où il y a énormément de trafic de joueurs, ça sera peut-être pas la meilleure zone. Oui, j'ai peut-être pas fait forcément les meilleurs choix. Mais en tout cas, voilà, je vous donne les infos pour faire au mieux. Et en espérant que voilà, ça va vous empêcher de mourir. Mais encore une fois, si vous mourrez, ben voilà, vous prenez le risque là de mourir en allant dans un système de basse sécurité, et encore pire dans un système de sécurité nul où vous allez pouvoir trouver aussi des minerais qui vont vous rapporter encore plus d'argent, mais le risque sera encore plus élevé. Donc encore plus de risque de mourir. Donc voilà, faut EVE est un jeu très complexe, il y a plein de choses à comprendre que j'ai pas encore compris. Et voilà, je vais m'aventurer petit à petit voilà, dedans. Et là par exemple, j'aimerais bien bientôt faire une vidéo sur l'exploration, je suis pas encore trop calé. Je vais essayer de la faire, ça permet toujours de faire du contenu en plus pour les joueurs enfin, français. Mais voilà, le but c'est vraiment d'en apprendre. Et je pense que même les anciens joueurs, je suis sûr qu'il y a des joueurs, ça fait des années qu'ils sont sur le jeu, et ils en apprennent encore chaque jour. Donc c'est voilà, c'est un jeu très complet, et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Mais arriver sur le jeu, se dire tiens, voilà, je vais prendre plus de risques, je vais aller dans un système de basse sécurité pour me faire plus d'argent. Et se rendre compte que bah voilà, on a perdu son vaisseau, on est mort, c'est tout à fait normal. Je veux dire, on a tous perdu un vaisseau au début et c'est à force de voilà, de persévérance et compagnie. Donc n'hésitez pas si vraiment vous aimez le risque, vous avez envie de prendre des risques, c'est ce qui vous plaît dans le jeu. Et ben voilà, faites-vous assez d'argent en système de haute sécurité. Et ben voilà, essayez des choses, tentez des choses, trouvez le meilleur endroit pour vous, la meilleure zone. Pour vous faire encore plus d'argent en système de basse sécurité, mais voilà, ça risque de prendre un peu de temps pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et compagnie. Bon, là c'était la méthode, on va dire, la plus simple. Il y avait d'autres méthodes pour être un peu plus safe. J'ai essayé de faire la méthode la plus simple que vous allez pouvoir faire tout de suite en étant sur EVE Online. Mais voilà, la méthode, quand même, quand on arrive, la plus simple pour apprendre le jeu, c'est quand même d'aller en haute sécurité. Mais voilà, après chacun fera son choix, mais en sachant que gros risque de mort en basse sécurité, donc faites très attention et surtout bah, ne ragez pas si vous perdez votre vaisseau, parce que j'ai envie de dire c'est impossible de jouer à EVE Online pendant des mois et des mois sans perdre de vaisseau, ou alors c'est parce que vous êtes resté en station toute l'année, c'est pas possible autrement. Donc voilà, dites-vous que ça fait partie du jeu et que bah, si vous ne l'acceptez pas, malheureusement pour vous, bah, il va falloir changer de jeu. Mais je pense que voilà, essayez de voilà, d'être patient et de persévérer, et vous allez voir que ce jeu vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc dès que j'aurai voilà peut-être d'autres astuces, d'autres choses voilà à compléter, je referai certainement la vidéo. Ça évite de voilà mettre du texte. J'aime pas trop faire ça. Je préfère la refaire complètement. Donc je referai certainement des vidéos et je vous mets en lien donc en description les liens qui seront utiles pour vous. Donc voilà, bon jeu, à la prochaine et soyez prudents.